Nouvelle vidéo de gaming entre mecs, entre couilles, 100% testostérone. Wow. Ouais. On est avec Marion, qui est vraiment une gameuse hardcore, on peut le dire. Qui fait partie de la team Millennium, qui est la plus grosse team, je crois, de France. Une des plus grosses teams. Là, on joue à Doom. T'avais joué au premier opus en 93? Non, tu me déconcentres, en fait. Ok, d'accord. Non, je rigole. Non, j'ai du mal à faire des choses en même temps. Attends, je suis en train de voir que tu vises vraiment entre les deux yeux. La meuf, elle est d'une précision totale. C'est abusé. Vaut mieux, non? Et t'es plus PC ou plus console? PC. Bah, ça se voit. La meuf est totalement à l'aise, même sur une manette. Donc on est avec Sissi Mua. C'est ça. C'est ça ton blaze. Est-ce qu'on peut t'appeler par ton prénom? Non. D'accord. Ça met tout de suite l'ambiance. On peut commencer le gaming? Non mais parce que je sais pas comment jouer en fait. Je passe la manette, elle est comme ça. Le mec qui tient la manette comme ça, tu sais d'avance que ça va pas être un gros gamer. Ouais, c'est sûr et certain. On est avec SenseUp, mais on peut t'appeler Jade. On peut appeler Jade pour les intimes. Ou Gérard. Alors il faut rappeler que t'es une youtubeuse gaming, mais tu fais pas de gaming FPS. Ça se voit absolument pas que je suis une youtubeuse gaming parce que vu que... Bah vu que t'es dans la première pièce depuis un quart d'heure, oui. Attends. Ça donnait envie de faire du gaming? En fait, il y avait pas assez de filles qui faisaient du gaming et j'avais trop envie d'en faire. Au début, j'avais peur, tu sais, parce que ça fait un peu... Mais tu jouais déjà? Ouais, je jouais en dehors. Puis j'ai commencé à jouer à plein de petits jeux en me disant que ce serait cool. Ils vont me sauter à la tronche. Ça va, tu te débrouilles pas mal là. Eh ouais. Alors, on est dans une session gaming avec Auria. Bonjour Auria. Salut. C'est quoi l'origine de ce prénom? Algérien. Bakalaufik. Merde! Alors en fait, pendant que tu me parles et que tu me racontes tes origines, je suis en train de me faire dézinguer en fait. Donc comme on est dans un gaming avec, mon but c'est pas de jouer tout seul, c'est que tu vas jouer à ma place et précisément maintenant quand tout le monde m'attaque. Non, non, non. Ah ouais, d'accord, donc là on est vraiment dans un... Attends. On peut pas aller camper, c'est pas ça qu'on dit. Non, on est pas au camping. On est avec Morgan Skate Paradise. Ouais, c'est ça. Donc t'as une chaîne en fait de cuisine. C'est ça, de cooking, oui. C'est quoi le plat que tu ne sais pas faire? Je suis pas trop salée, je fais que du sucré. Mais je mange que du salé, mais je fais que le sucré. Ce qui est vachement pratique. C'est tout à fait pratique. On est avec Sananas, salut. Salut. Donc t'es youtubeuse beauté? Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner des petits conseils de beauté par exemple? Pour tes cheveux. Pourquoi tu vises mes cheveux en particulier, je crois pas? Mais tes cheveux, c'est voulu comme ça, petite bouclette ou... C'est malheureusement pas voulu, je suis née comme ça. Mais non, mais avant t'avais les cheveux plus courts. Si j'avais tu donnes des petits conseils de beauté, ce serait quoi par exemple? Ça dépend si tu te maquilles ou pas. Est-ce que t'as des mecs qui mettent de l'anti-cerne? Est-ce que toi c'est pareil? On est avec Lucie Décosse, comme son accoutrement le laisse à penser, championne de tennis. Quoi? Ouais. T'aimes bien le gaming? Je suis pas une pro, hein. Ça s'appelle Doom, c'est un jeu qui est sorti en 93. Il y a eu plusieurs opus et là c'est le tout dernier, auquel on joue en exclu. Oh. Donc toi t'es contre la violence? Oh, carrément, les arts martiaux c'est pas du tout violent. Donc t'as été championne de France de judo? Championne de France, championne d'Europe, championne du monde, championne olympique. Ah ouais d'accord, ok, le calmage est total. Je suis bluffé par ton palmarès en fait. En judo je connais que David Douillet, vraiment la méga base des années 90. Attends c'est quoi ça, c'est intéressant, très très bien ça. C'est un homme. C'est un homme décédé. Qui est mouru. Alors. Ah ouais, ok, y a pas de respect, on lui pique sa clé, d'accord. Il a une petite clé USB au niveau du torse, comme normal. Tout le monde. Tu fais du gaming depuis combien de temps? Depuis décembre. Ah ouais d'accord, c'est super frais. Ouais c'est super frais. D'où ton niveau à Doom. D'où mon niveau à Doom, voilà, c'est ça. Et sur ta chaîne, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de vidéos? Ouais, de la beauté, de la mode, conseils pour les ados, un peu d'humour, un peu de tout. Tu leur conseilles quoi par exemple? J'essaie à comprendre les filles. Attends, c'est intéressant ça. Qu'est-ce que tu conseilles aux garçons pour séduire des filles? D'être naturel. Ouais. D'être gentleman. Bien sûr, mais ça c'est le béaba. Et plein de choses comme ça. Bon, allez, viens, je te maquille. Non, c'est mort. Allez, s'il te plaît. C'est sûr et certain. S'il te plaît. Tout sauf le maquillage. S'il te plaît, Norman, s'il te plaît. Insiste pas, je me maquillerai jamais, c'est sûr. Non, mais te tire pas une balle, ça va aller. Faut que tu fasses le poisson, je t'ai dit. Non, c'est pas faire le poisson quoi. Non. Excuse-moi, genre tout le monde sait faire le poisson quoi, c'est vraiment le truc. Mais oui. Donc les meufs, elles font ça quand elles se maquillent. J'ai jamais vu une meuf dans le métro faire ça. Si. Tu fais des compètes de gaming? Je fais des compètes de filles. Non, sérieux, c'est pas mixte. Ouais, non, c'est dans les grosses compétitions, les garçons jouent entre garçons et nous les filles on a nos compétitions à nous aussi. Donc on en a beaucoup moins que les garçons. D'accord. Mais... Et t'as déjà gagné des compètes? En France, oui. En européen, non. Je fais deuxième, troisième. Bah, c'est quand même déjà extrêmement cool. Oui. Et quand tu gagnes, c'est quoi? Tu gagnes un prix? Tu gagnes. Il y a de l'argent à gagner et tu joues contre des équipes de filles contre lesquelles tu joues depuis longtemps et que t'as envie de défoncer. Donc. D'accord. C'est vraiment pour la compétition plus que pour l'argent. En tout cas, t'es en train de casser le cliché nul qui dit qu'il y a que les mecs qui jouent aux jeux vidéo. Il y a aussi plein de meufs qui jouent aux jeux vidéo. Bon alors tu connais un peu ce jeu ou pas? Il y en a eu 3 et ça c'est le 4e. La meuf, elle connaît l'historique de la licence. Non, c'est mon copain qui connaît donc je... Ah c'est un gamer? Ouais. En tout cas t'as pas appris à jouer, hein. Ça c'est sûr. Oh de suite. Alors je t'ai fait une petite surprise, je t'ai ramené un gâteau. Non. Et en plus à ton effigie. Sérieux? Ouais. Tu veux voir? Bah, vas-y. Allez. Oh my god, trop stylé. C'est la première fois qu'on me fait un gâteau avec mon style. Donc ça, je tiens à préciser que c'est le chat de Monsieur Chat qui a fait ce chat derrière moi. Ah. Sergi. Ah mais c'est moi, ça au Spark. Eh ben oui, c'est plus ça au Spark. Alors comment on peut refaire ton gâteau? Pour refaire le gâteau, tu vas sur ma chaîne, t'as le tuto,
pour le reproduire. C'est génial. Moi, je suis là pour complètement juste juger. T'as aucun problème, tu D'accord. joues et je me moque de toi. Mais pas toi quand même, parce que je vois que t'as des biceps. Attends, mais ah ouais, t'as plus ah de ouais, muscles que moi. Voilà, je suis un peu vexé en fait. Ma virilité est en train de partir. Au revoir la virilité. Je regarde un peu tes vidéos de fitness. Tu déconnes pas quoi. T'es vraiment sérieuse dans l'exercice quoi. C'est ce qu'il faut, hein. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont passionnés de sport. Bah non, c'est pour les personnes qui veulent s'y mettre. Ah, les passionnés de sport, ils ont pas besoin de moi. Mais en gros, on regarde tes vidéos vraiment quand vraiment on veut s'y mettre sérieux. Ah bah oui. Est-ce que tu peux m'apprendre un exercice de fitness que je peux faire, mais en jouant en jeu vidéo en fait? Tu peux faire des squats. Je peux squatter. Tu peux squatter en même temps. Allez, 13. Allez, 14. Allez, 15. 16. On va faire un truc très simple, regarde. On va faire option, difficulté, ultra-violence, ok? Ok. On est en mode ultra-violence. Tiens, yeah. Depuis combien de temps tu fais du gaming? 8 ans à peu près. 8 ans, putain. Mmh. Ah, tu vis que de ça ou tu fais d'autres trucs? Pas du tout, non. Si je pouvais gagner ma vie avec ça, je le ferais. Hein, mais... Attends, c'est bien parti pour. C'est un gros level, c'est cool. Y a pas assez d'argent pour les filles, malheureusement. Parce qu'on a moins de communauté aussi. Peut-être y a ça aussi. Et qui trouvent que les filles sont nulles aux jeux vidéo. Bah écoute, tu nous prouves clairement le contraire aujourd'hui. Parce que là, on ils sont en train de me défoncer ouais, par contre. Là, on est vraiment en mode ultra violence. On joue en un mode pour les mecs qui ont torché le jeu 10 fois et toi, c'est la première fois que tu joues. On sent qu'on peut pas te faire chier. Hein. Arrête de plisser, pourquoi tu plisses comme ça? Moi je plisse naturellement. Et là, étonné, mais avec les yeux fermés. Étonné, les yeux fermés, c'est ça? Ouais. Merci Auréa pour cette leçon de make-up. C'est la première fois que je me fais maquiller et je dois dire que je recommencerai plus jamais. Vraiment. Je suis vraiment maquillée en madame pipi. Tu sais que ton parfum, c'est le parfum d'une de mes maîtresses en maternelle. Non mais c'est un truc que tu dis pas aux filles. Ton parfum, depuis tout à l'heure, c'est le parfum de ma grand-mère, tu vois. Et tu fais du judo depuis que t'es gamine? Ouais, j'ai commencé à 6 ans. Donc vraiment, t'as baigné dedans depuis toute petite, quoi. Au départ, on va dire que c'était vraiment un sport, un loisir. Et puis au fur et à mesure, avec la compétition, j'avais envie d'être championne, quoi. J'ai persisté jusqu'à être championne olympique. C'est incroyable de rentrer chez toi et de dire « Bon, je suis la personne la meilleure au monde dans cette discipline. » C'est pas mal. Il y a une prise de corps à corps. Tu veux que je la montre? Vas-y. Très simple. Oh là là, quelle violence. Dis la meuf qui porte un kimono. Vraiment, c'est abusé. Ah putain, là il y a un max de monde, j'espère que je vais pas mourir. Et si tu meurs, je te fais une technique de judo. D'accord, j'espère que je vais pas mourir. Ah oh putain. Oh putain. Ah, ça a craqué là. C'est normal, t'inquiète. Oh, putain, non.